Pierre-Guillaume Mercadal, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue sur Livre Noir. Nous sommes ravis de vous recevoir pour cet entretien spécial. Vous êtes paysan, éleveur de cochons laineux, et vous avez une histoire particulière que vous venez ce soir nous raconter sur ce fauteuil. Ça fait longtemps. Que vous vouliez parler de cette histoire, vous en avez parlé, essayé d'en parler il y a longtemps au niveau de la presse locale. On n'est pas trouvé d'écho à cause d'une certaine personne. Vous aurez le temps de, de revenir dessus. Et c'est aussi un entretien assez spécial pour nous parce que nous sommes dans un contexte où il y a une révolte paysanne en cours. Nous passons au passage, nous saluons Thierry qui est avant vous venu sur ce fauteuil et qui qu'on a rencontré chez Livre Noir, qui nous a énormément touché. Donc on le salue aussi ce soir. Alors, on va commencer euh, tout de suite. Et j'ai presque envie de commencer cet entretien en comptant le début euh, de l'histoire, de ce qui vous est arrivé. Et en disant que c'est l'histoire d'une route communale qui relie l'exploitation d'un paysan français et qui jouxte euh, également la grande propriété d'un Lord Anglais. Et au milieu euh, de ce chemin, euh, il y a une, une, une porte qui, qui a été, euh, un portail qui a été construit. Euh, et qui va être le, le fruit, le commencement des problèmes. Est-ce que vous pourriez peut-être compléter, revenir sur ce début d'histoire et nous raconter euh, à tous ce qui vous est arrivé Merci, merci à toi de me recevoir, merci à Livre Noir de, de me donner cette, cette opportunité. Donc, ce problème a commencé il y a six ans et demi quand je me suis installé sur ma commune en tant que jeune agriculteur. Et quand je suis arrivé, donc, faut imaginer que j'ai acheté des bois qu'il fallait viabiliser et il y avait un chemin moi je suis arrivé je n'avais pas l'habitude des, des, des procédures des, de, de, je connaissais pas la loi etc et donc il y avait un chemin impraticable pour accéder à mes bois et la mairie à grand renfort de, 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 de documents officiels de recommander et tout ma garantie que c'était le, le chemin communal on s'est mis d'accord avec le, le maire de ma commune pour faire moitié-moitié sur les travaux. Et quand j'ai commencé les travaux, il est venu nous arrêter les travaux, me disant qu'on n'avait rien signé, alors qu'on s'était serré la main, que tout était validé, voilà. C'était quoi ces travaux, juste pour être clair? Des travaux de viabilisation du chemin pour que déjà j'arrive à accéder, parce que je, je pouvais pas, quand, pour, pour donner une idée, partant de pluie, on remontait pas en 4-4. Euh, donc un chemin qui allait jusqu'à l'exploitation. Un chemin qui allait juste à l'exploitation, extrêmement accidenté, très très raide et avec un virage à 90 degrés à l'époque. Et donc, il a arrêté les travaux et donc de là, ben, je me suis retourné pour connaître mes droits et on s'est rendu compte en fait qu'avec son entière com complicité, euh, le chemin où j'étais en train de faire des travaux était en réalité privé, appartenait à l'anglais qui avait créé ce chemin de déviation euh, affreux, à la place d'un chemin communal qui desservait ma propriété en pente douce et en ligne droite, et qui était goudronné. Donc c'était quand même absolument lunaire, il avait construit des murs, un portail sans permis, sans autorisation. Et au lieu que le maire fasse son devoir d'élu, c'est-à-dire euh, bah, de faire appliquer bêtement la loi, et de nous dire que si on voulait que la situation évolue, il fallait qu'on s'entende, il est parti euh, bill en tête euh, pour soutenir mon voisin, au mépris de la loi, au mépris des, des diverses procédures qu'on a pu faire. Pour donner une idée, j'ai gagné au tribunal, donc la justice a fait enlever euh, le, le portail. Et la mairie a refusé de faire enlever les colonnes et le mur, euh, parce que euh, dans ma procédure, j'avais poursuivi que le portail. Et le Donc deux petits murets, il me semble, sur le, qui sont sur les côtés. à fait, deux colonnes. Euh, et qu qui peut... gênent toujours le passage. Tout à fait. Et le, le maire, quand j'ai gagné ce procès, a tenté d'aller en cassation aux frais de la commune pour remettre un portail privé sur un chemin public, ce qui n'était jamais vu. Il a été débouté par la, 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 la cour de, de, de cassation sans même qu'on aille au tribunal. Euh, et de là, euh, dans cette même période, en fait, tous mes problèmes ont commencé. C'est-à-dire que le maire m'a fait couper l'électricité. Alors lui, il jure que ce n'est pas lui. Mais j'ai quand même une dizaine de, de témoins, dont les services de renseignement de la préfecture. Euh, avec qui on a appelé à plusieurs reprises Enedis, qui nous a dit à chaque fois que ça avait été fait à la demande du maire. Et si monsieur le maire, comme il le dit, n'a rien à voir avec tout ça, ben, en fait, quand vous avez un compteur de chantier sur une commune, je précise au passage que toutes mes factures étaient payées sans retard, sans rien du tout, quand vous avez un, un compteur de chantier, s'il saute, si le maire fait un papier pour qu'on vous le remette, dans les 24 heures, Enedis revient, en fait. Il n'y a, a pas de problème là-dessus on m'a fait sauter l'électricité une semaine avant la trêve hivernale et j'ai dû me battre pendant pr près de six mois jusqu'à ce que le préfet ordonne au maire de me remettre l'électricité. là aussi, lors de ces réunions et de ces prises de décision, il y avait les services de renseignement, il y avait des, le syndicat agricole qui me soutenait. Euh, voilà. c'est pas soumis au débat, c'est factuel. Euh, donc, il y a eu la coupure d'électricité, il y a eu tout un, tas de, tout un tas de tracasseries, tous les contrôles possibles. On a essayé de me bloquer pour les permis de construire que j'ai dû recommencer plusieurs fois. On me bloquait en fait sur des trucs, euh, par exemple, permis tacite, donc validé, parce que pas traité. Donc, je demande à la préfecture si je peux construire, ils me disent Ah non, il est tacite, si vous construisez, on vous met au tribunal administratif. Donc, à chaque fois, faut recommencer des procédures avec 4-5 mois de délai, etc. Donc, j'ai perdu beaucoup de temps et d'argent. Le chemin, ben j'ai fait les travaux moi-même, parce qu'il fallait bien que j'accède pour m'occuper de mes animaux, pour, pour construire, pour créer. Donc je me suis endetté à hauteur de 30 000 euros pour faire ce chemin. Qui, ce chemin de côté ce, Le ça. chemin de, sur, sur le côté. Parce que, euh, en fait, <laughs> quand j'ai réussi à faire enlever le portail, le maire a publié des arrêtés municipaux successifs, euh, autorisant uniquement l'anglais à emprunter ce chemin. C'est cocasse. J'en ai fait casser un par le tribunal administratif. Trois semaines après, le maire republiait le même arrêté. Et quand on est retourné au tribunal administratif, on s'est fait jeter en nous disant qu'on abusait parce que on demandait, on prenait trop de temps au tribunal administratif. Alors, du coup, on fait quoi en fait euh, Donc j'ai eu droit, comme je disais, à tous les, tous les embêtements possibles jusqu'à ce qu'on m'envoie un commando armé à mon domicile pour s'occuper de moi. Commando qui s'est retourné contre, contre les commanditaires en fait dont le chef de commando a témoigné à visage découvert euh, dans la première vidéo qu'on a fait avec Papacito, donc l'écrivain et youtubeur qui m'a sauvé la vie littéralement. Mais attendez, sur, sur le commando, moi je, je, je me souviens très bien, j'avais relayé justement une phrase. Quelqu'un du commando qui avait dit j'étais payé pour trouver, amocher et frapper un homme qui faisait du mal à une vieille dame sous chimiothérapie et stressée par un fermier. Et par la suite, il déclare. Je comprends rapidement que la situation n'est pas celle qui m'avait été présentée. Est-ce qu'on peut justement reprendre un peu le temps sur ce commando c est, c est, c est, Ça paraît fou. Euh, oui. On a essayé de vous tuer. Oui, ah, oui, on oui, est oui. en France. On est d'accord. Euh, qui m'a sauvé réellement C'est pas, pas mon est... gabarit. C'est pas parce que très sincèrement, je doute que j'aurais eu grande chance contre l'équipe que j'avais en face. Euh, quand ils sont arrivés, bon bah, forcément, le ton est monté directement. Euh, ce qui m'a sauvé, c'est qu'il y avait mon neveu qui avait 15 ans à l'époque, et euh, un maçon et son salarié qui, 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 qui travaillaient chez moi. Et en fait, bon, on est quand même en France, donc si vous tuez quatre personnes en France de familles différentes, il faut partir loin quand même. Et puis, du coup, en fait, la discussion s'est mise en place. Ils ont vu qu'on leur avait raconté n'importe quoi. Ils ont même fait déplacer les organisateurs jusque chez moi euh, pour, pour que ces gens s'expliquent, et bon, ça s'est mal passé pour eux. Euh, et ensuite, donc moi j'ai mis une main courante parce que je voulais pas spécialement que ces personnes finissent mal parce qu'au final, ils m'avaient épargné, ils avaient été corrects avec moi, in fine. Bon, ils, chacun a son mode de vie, on va dire, mais. Mais moi j'ai mis. Comment Ils ressemblaient à quoi Ils étaient. Cousteau euh, C'était bah quoi oui, les, euh, les profils Costaud euh, enfin, bah et équipé. <laughs> puis celui qui a témoigné dans la première vidéo a quand même un un énorme quasi judiciaire, c'est un ancien mercenaire. Enfin, on n'est pas sur, c'est pas des enfants de cœur, quoi. Puis c'est des mecs qui avaient fait de la route, quoi. <laughs> ils n'habitaient pas dans le village à côté. Euh, et en fait, ce qui a été vraiment le, le plus dur moralement, c'est donc j'ai mis une main courante au cas où on me retrouve suicidé de trois balles dans le dos. À l'époque, à la préfecture, il y avait encore des gens courageux qui m'ont aidé. Euh, donc, je parle de sous-préfète, préfet, qui ont poussé. Euh, et donc, en fait, la gendarmerie a fait une enquête sérieuse qui a duré un an et demi. Ils sont remontés jusqu'à ce chef de commando qui a témoigné, ceux qui l'avaient amené sur place. Et donc, on s'est retrouvé au tribunal. Et c'est là que ça devient extraordinaire c'est que donc ce monsieur qui a témoigné a reconnu les faits en garde à vue. Il était fiché au grand banditisme, il était en récidive sur des faits comme ça. Il allait prendre cher. Il n'est pas venu, il n'a pas pris d'avocat. Et le parquetier a voulu requalifier les faits quand l'audience a commencé. Et en fait, l'avocate de celui qui les avait amenés sur site est tombée sur le parquetier en lui disant Mais monsieur, il n'est pas là, il n'a pas de défense, vous n'avez pas le droit de requalifier les faits. Sauf qu'en demandant la requalification des faits, le parquetier euh, re reconnaissait que les faits pour lesquels on était là concernant ce monsieur n'étaient plus bien qualifiés. Donc il s'est retrouvé à plaider la relax pour un gars en récidive <laughs> qui avait reconnu les faits en garde à vue, ce qui est pas mal. Et là. Le vrai coup dur moralement, c'est quand vous l'avez vécu que, que, je, que, ce, que cet homme soit condamné, ça m'importait assez peu. Moi, ce que je voulais, c'était que s'il m'arrive quelque chose, on, on sache où creuser. Ce qui a été vraiment très dur, c'est l'article de la dépêche derrière, qu'on peut trouver sur Google, intitulé Les menaces contre l'éleveur porcin se finissent en eau de boudin. Ça montre à quel point ce journal est, est honnête et droit. Et donc. On va en arriver à, à celui qui me crée tant de problèmes parce que ce maire, si c'était un maire lambda d'une commune classique de 100 votants comme chez nous et 150 habitants, euh, il aurait eu de gros ennuis. Sauf que il est protégé par Monsieur Jean-Michel Baillet, ce que je viens affirmer ici et j'assume mes propos. Euh, voilà, si quelqu'un devait être poursuivi, que ce soit moi, avec grand plaisir. Euh, ce Monsieur Jean-Michel Baillet, euh, en fait, alors je vais le présenter déjà son, son pedigree. Euh, il, a, il a occupé tous les postes existants en politique, à part président de la République et, et délégué de classe, je pense. Hein. Donc il a fait euh, euh, maire, président de conseil départemental pendant euh, trois décennies, après, en, en succédant à son père puis à sa mère. Euh, la commune qu'il occupe, sa famille euh, tient la mairie depuis plus de 100 ans. Donc euh, son oncle, son père, sa mère, puis lui. Euh, il a été secrétaire d'État deux fois sous Mitterrand, il a été ministre sous Mitterrand, il a été secrétaire d'État sous Hollande, il a été sénateur, il a été député. Euh, voilà, il n'y a à peu près rien qu'il n'ait pas fait. Il a une fortune immense, c'est le premier patron de presse régionale de France. Euh, et il est ouvertement franc-maçon. Et donc, euh, donc voilà, donc quand on a un adversaire de cette taille, qu'on est juste un paysan dans les bois, c'est un peu compliqué. Sachant que de l'autre côté, euh, bah, le voisin britannique est extrêmement euh, fortuné et a un tout petit peu de réseau, étant donné que sa fille était par exemple au, au mariage euh, royal en Angleterre, euh, parce que son, son gendre à cet Anglais, c'est l'ex de Kate Middleton, donc c'est l'ex de la future reine d'Angleterre. Pour donner une idée, juste des, des, <laughs> des strates avec euh, lesquelles euh, je, je, je suis en, en conflit. Et donc au milieu, on a un maire. Alors. Moi je dis que ce monsieur ouvertement et une fois de plus j'assume entièrement mes propos est corrompu. On l'a dans les vidéos qu'on a fait avec donc mon ami euh, Papacito et euh, les vidéos que j'ai pu faire de mon côté, je le démontre, je pense largement que la justice s'en empare si ça l'intéresse ou qu'il ose enfin m'attaquer en diffamation s'il si a rien à se reprocher. Mais alors Parce moi que... on va bien revenir dessus euh, je vous promets euh, par la suite, mais ce que j'aimerais savoir enfin euh, pour vraiment que les gens y comprennent bien, c'est pourquoi je veux dire dès le début, il a pris parti pour ce lord anglais et il n'est pas allé dans la solution la plus normale qui semblait couler de source. C'est-à-dire, oui, effectivement, euh, j'avais euh, promis que ce terrain communal, enfin cette route communale, vous euh, pourriez l'emprunter. Ben, bah, empruntez-la, on enlève ce portail C'est l'affaire est réglée. Ah, alors, pour moi, c'est un. Pour moi, Pourquoi Pour moi, alors il y a des choses. Autant ce que j'affirme, quand je dis qu'il est corrompu, je l'affirme parce que j'ai des billes. Donc, je risque pas, de mon point de vue, en tout cas, de perdre en diffamation. Autant là-dessus, je ne peux rien affirmer. Ce que j'ai comme pièce qui est monumentale. C'est que ce maire a passé deux ans et demi avec le même avocat que l'anglais, ce qui est complètement illégal. Euh, et en fait, <laughs> leur avocat commun, dans le cadre d'une procédure, en annexe mettait des mails d'échange entre l'anglais et moi, et a greffé un mail, entre, involontairement, hein, mais a greffé un mail. Et ça se pareil, je, je fournis la pièce à vous, à qui vous, à qui il me la demande, a greffé un mail que l'anglais avait adressé au maire, lui disant tout ce qu'il fallait faire pour me faire dégager et c'est la liste de tout ce que j'ai vécu dans l'ordre <laughs> bah si c'est possible, la pièce je l'ai et si même vous voulez que je vous la fournisse après Mais pour la euh, mettre en annexe, c'est avec grand plaisir on l'afficherait à l'écran je, euh... je, je vous fournirai donc la pièce et donc euh, bon, je vais reprendre, je sais plus où j'en étais donc pour en revenir à ce maire euh, quand, je, quand, je, quand je dis qu'il a des pratiques très singulières et que j'imagine bien qu'avec l'anglais euh, il est probable, enfin on peut, on peut, on peut supputer qu'il y ait eu une forme d'entente. C'est que donc je parlais de M. Baillet. M. Baillet, pour éviter la loi sur le cumul des mandats, a passé deux mandats dans la commune de Montjoie, donc il n'y a rien, au milieu de rien, comme conseiller municipal, ce qui lui permettait quand même de siéger en tant que président de communauté de communes. M. Baillet, qui n'est pas le maire que Non, non, qui n'est pas le maire, C'est oui, est, est l'homme le, 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 politique le baron et le baron, baron d'Occitanie dont et, je parlais tout à l'heure. Voilà. Euh, il a siégé dans notre commune, donc sur deux mandats comme, euh, comme conseiller municipal, une première fois avec une mairesse, Madame Raffi, qui a obtenu la Légion d'honneur. Et vous trouverez l'article concernant sur la dépêche, il est marqué qu'elle a eu la Légion d'honneur parce qu'elle a été prof pendant 30 ou 35 ans. J'ai rien contre les profs, mais de là avoir la Légion d'honneur, enfin, belle elle, il y a peut-être euh, peut une différence. Et, et ensuite est arrivé, donc, Christian Urgal, le, le maire actuel de Montjoie, et alors là, il y a eu... Euh, chevalier de l'ordre des arts et des lettres, parce qu'il fait des petites peintures, le maire. Donc chevalier de l'ordre des arts et des lettres. Ensuite, il a fait un tableau, je crois, sur la Première Guerre mondiale. Il a été euh, nommé peintre des armées, avec un général qui s'est déplacé et tout. Et là, ils viennent de lui filer la Légion d'honneur. Et en plus, donc sur ce mandat, donc on est un village, donc je dis, 150 habitants, moins de 100 votants euh, à l'époque. On a mis 2,5 millions et demi d'euros dans les infrastructures de la commune. On a fait 800 000 euros de travaux sur deux gîtes. Alors, il va falloir qu'on m'explique comment on fait pour rentabiliser un truc comme ça. On a fait un million d'euros de travaux pour créer une salle des fêtes qu'on a appelée Espace Jean-Michel Baillet. Ah oui. Et euh, salle des fêtes à un million d'euros, sachant que on avait une salle des fêtes dans le cœur de Bourg, qu'on a toujours. Donc, on a deux salles des fêtes dans ce village de, de, de 150 habitants. Les deux sont utilisés Elles ne <laughs> sont pas trop fatigués, elles ne s'usent pas trop vite. Euh... On a ensuite euh, une maison des arts, oh, surprise, une maison des associations. La, la, la seule vraie association du village, c'est celle du maire, s'il est président et sa femme est trésorière. C'est troublant. Euh, association qui via la maison des arts d'ailleurs fait euh, le seul événement de l'année au village, en gros, qui s'appelle les estivales, qui est une exposition de peinture où on expose aussi le maire et où cette association a eu rémunéré son épouse pour euh, gérer l'exposition et donc la, la mise en valeur et la vente des tableaux. Notamment du maire. Donc, en fait, euh, via les subventions grassement obtenues par Monsieur Baillet qui contrôle tout ça. Parce que Monsieur Baillet, la commune qu'il contrôle, c'est la commune qui a la centrale nucléaire en fait de, de, de Golfech. Donc, ça apporte une grosse manne financière. Sachant qu'après, en plus, vu qu'il tient avec sa famille depuis près de 70 ans le conseil départemental. Euh, ben les finances départementales de communautés de communes, de la centrale, voilà, ça, ça subventionne grassement. Et donc ces subventions subventionnaient l'association du maire, avec laquelle la femme du maire était rémunérée pour vendre les tableaux. C'est intéressant comme, euh, comme procédé, hein, en termes d'honnêteté. Donc c'est pour ça qu'après, on peut s'imaginer bien des choses, mais on ne peut que les imaginer parce que je n'ai pas de preuves concernant son rapport avec, euh, avec l'anglais. Bon. Vous pouvez. Ce que, euh, que j'allais dire, c'est. Bon. Euh, ce qui est intéressant aussi là-dedans, c'est qu'il y a un moment aussi qui va changer l'histoire. C'est-à-dire qu'il faut aussi revenir sur le fait que ça fait six ans, si je ne me trompe pas, que cette histoire, ce problème qui a dû peser sur vous, ça doit être évidemment terrible, j'imagine, les coupures et autres. Et il y a quelqu'un qui est quand même venu vraiment vous aider, qui vous a apporté cette audience médiatique là où justement la presse ne voulait pas, c'est pas tôt qui a eu, euh, il faut le dire, vraiment euh, un courage euh, avec ses vidéos. Euh, quest ce que vous pourriez revenir, peut-être, sur l'aide qu'il vous a fournie, sur euh, qu'est-ce que vous avez euh, euh, essayé de faire C'est aussi important de savoir, en fait, ce que vous cherchiez à faire, parce qu'il y a eu beaucoup de problèmes. Par la suite, vous avez eu des, consé des conséquences à tout ça, mais quels étaient les objectifs Qu'est-ce que vous cherchiez à faire et quelle aide il vous a fournie ben Moi, en fait, je cherchais à être médiatisé, parce que... Mon seul espoir, c'était le soutien populaire, dont j'avais un certain soutien du monde paysan, associatif, mais face à Bailey, ça pèse rien. D'autant que toutes les, les associations ou syndicats qui veulent toucher des subventions passent par M. Bailey. Donc à un moment donné, ça coince. Et, et donc je voulais être médiatisé pour que le cas soit connu et qu'en fait, j'espérais naïvement que quelqu'un au gouvernement finirait par dire stop. En fait, enfin, permettez-lui d'accéder chez lui pour qu'il vive sereinement de son travail et qu'on n'en parle plus. Je ne demande pas. Plus que les autres. Je demande la même chose que ce à quoi chacun d'entre nous a droit, en fait. Si on me donne les permis de construire et l'autorisation d'exploiter, pourquoi j'ai pas un accès digne à mon habitation et à, ma, à mon exploitation Et là, en fait, je me suis heurté donc, à la puissance de Jean-Michel Baillet parce que j'ai pu travailler avec certains journalistes courageux, hein, mais donc de médias de gauche. Et euh, Le Canard Enchaîné, Mediapart, Marianne ont tous refusé mon affaire parce que c'était trop local, et que la presse régionale n'en parlait pas. Mais quand, en face de vous, il y a le mec qui tient toute la presse régionale, ben pour que la presse régionale en parle, c'est complexe. Donc, euh, on m'a fermé la porte au nez à chaque fois, et à côté de ça, ben, j'étais devenu ami avec Hugo, et voyant ma détresse, et voyant qu'à un moment donné, j'étais à bout, que j'étais surendetté, que, que c'était la fin, enfin que que techniquement j'allais finir mort ou en prison. Hein. Donc euh, bah, il, a, il a voulu, euh, voulu m'aider. Ce qu'il a fait en faisant une première vidéo qui a marché extrêmement bien, qui a été très vue qui au bout de 15 jours a été censurée par le gouvernement français. Donc elle était visible sur YouTube dans le monde entier, mais pas en France. Et il y avait le petit bandeau euh, censuré à la demande du gouvernement français. On peut même le voir sur euh, mon Instagram. Quelles sont les, les raisons Ah ben on ne nous les a jamais dites. C'est le gouvernement français qui dit à YouTube ça, non. Au moins le gouvernement français est au courant de l'affaire, ça c'est ce qu'on Ah dire. ben à force je pense. Je pense qu'il y en a bien un ou deux qui sont au courant. Euh, et cette vidéo, c'était quoi c est, qu est -ce que... ben Cette vidéo, c'était une vidéo bon, avec un peu d'humour à la patte, euh, Papacito, étant donné que les médias voulaient pas s'en emparer. Pardon. Euh, et, et où on informait, informé, où on a donné beaucoup de faits, où euh, ben, par exemple l'homme de main dont je parlais tout à l'heure a témoigné à visage découvert, où on a essayé de montrer le, le dossier comme on a pu passer un dossier très... Très vaste, donc on faisant une vidéo comique de 45 minutes, c'est compliqué de tout dire. Mais on a fait tout ce qu'on a pu et. Euh on y euh, voit les deux routes, exactement. Exactement, on a, on a montré tout ce qu'on a pu. Et donc, euh, Hugo m'a proposé de mettre en place une cagnotte pour m'aider, dans laquelle on n'imaginait pas recevoir grand-chose, mais on imaginait que ça m'amènerait peut-être un peu d'oxygène pour arriver à tenir un peu plus, à combattre un peu plus longtemps. Et en fait, on a eu un soutien absolument colossal. Il y a eu une cagnotte énorme, hein, puisqu'il y a eu à peu près 270 000 euros. Euh, au passage, on communiquera bientôt sur la façon dont on l'a dépensé, parce qu'on a essayé de faire honneur justement aux donateurs qui m'ont sauvé la vie, et d'être vraiment hyper carré sur les dépenses concernant cette, cette cagnotte. Et on montrera tous les travaux qui ont été faits en un an grâce à ça. Et croyez-moi que ça fait un an qu'on y est 7 sur 7, donc euh, on a fait des travaux. Euh, donc, euh, et donc ensuite, euh, nous avons fait une deuxième vidéo. Parce que la situation n'avançait pas et qu'il euh, fallait faire quelque chose. Et puis que les, les gens voulaient voir aussi la suite. Et nous, ben, on, voilà, Hugo m'a rejoint dans un combat. Hugo, il n'est pas du genre à aller se cacher après. Donc, euh, vous aviez confronté le maire, il me semble, sur la première vidéo. On donc. a essayé de le confronter, mais ça, il ne voulait pas nous parler. Ouais. Parce que ça, c'est quelque chose aussi qu'il faut dire c'est que plusieurs <laughs> fois, vous êtes allé voir le maire. Euh, Tout à fait. mais Il, les gens il a sur... un surnom. <laughs> le... la, la fouine. <laughs> Sur, euh, sur Instagram, euh, d'ailleurs, ben, je l'ai confronté plusieurs fois récemment suite au... On en parlera, oui. De... Ouais, on, on y reviendra après ouais. alors. Euh, donc on était entrepreneur, oui. Donc la deuxième vidéo, euh, ben, le but c'était de montrer euh, les évolutions, de remercier les gens pour la cagnotte, d'expliquer où on en était et de continuer dans la satire, en fait, euh, ben, vu qu'on dénonce des faits ahurissants et que dans la, la République ne fait rien. Euh, ben on voulait continuer, euh, voilà. Suite à cette seconde vidéo, il y a eu deux choses. Alors nous, on n'a jamais appelé à la violence, on était contre toute forme de, de, de violence. Bon, C'était quand même des violences très relatives. Il y a eu euh, des jets de peinture sur la maison de l'anglais. Donc certains murs ont reçu de la peinture noire, d'autres de la peinture rouge. Et il y a eu des graffitis au sol, euh, avec, avec une flèche en direction du village, avec écrit « Urgal Fouine de Montjoie ». Il y en a eu partout. Il y en a eu dans le 47 et dans le 82 sur les deux départements. D'ailleurs, dans le 47, ils sont tous toujours visibles. Mais <laughs> bref. Et le maire euh, a fait venir toute la presse de France via Bailey. En fait, via la dépêche qui a fait un article qui a été repris par toute la presse française. Et donc, toute la presse, toutes les chaînes de télé en ont parlé sans nous donner euh, la parole, sans nous demander notre version. Et en fait, on était en pleine période de violence faite au maire. Et. Le maire a eu l'indécence de surfer sur ça, en expliquant que les graffitis indiquaient son domicile, ce qui est faux. Il n'y a jamais eu un graffiti dans le village, donc comment indiquer son domicile Faux. En allant se faire prendre en photo et filmer, et vous trouverez des dizaines de vidéos et d'articles de journaux, euh, il est à chaque fois allé se faire prendre en photo devant la maison de l'Anglais, devant le mur peint en rouge, enfin, qui avait des, des, des jets de peinture rouge, faisant croire à la France entière que c'était son domicile, et, euh, et qu'il avait été menacé. Vous trouverez même. Euh, je crois que c'est sur Europe 1 qu'il y a des journalistes qui avaient dit Oui, on a jeté de la peinture rouge sur sa maison pour rappeler le sang. C'est un appel au meurtre, c'est horrible. C'était pas sa maison, que c'est regrettable que la maison de l'Anglais ait été dégradée. Mais il n'a rien à voir avec ça. Il habite à 5 km, le maire, qu'est-ce qu'il nous raconte Et ensuite, il a dit qu'il était sous protection policière. Alors, la protection policière du petit Christian, c'est euh, trois patrouilles de police par jour qui montaient au village, alors qu'avant, il n'y en avait pas. Mais ah ouais. Si les gens veulent vous assassiner, trois, pas, trois patrouilles à des heures diverses et variées, c'est pas une protection policière. Il n'a jamais eu de garde du corps. Il n'a jamais eu la police qui dormait devant chez lui. Il a reçu, visiblement, des injures et des menaces sur Internet. Ce qui est regrettable. Mais... Euh ouais tous les gens qui font l'actualité sur Internet dès qu'ils ont un sujet un peu clivant, si ça vient de la gauche, c'est les, les droits qui vont leur dire euh, leur façon de penser, si ça vient de la droite, c'est les gauchistes qui vont leur dire leur façon de penser. C'est inhérent à Internet, je pense que votre média en, en, en subit de manière continuelle, et tous les médias Internet, et tous les gens d'ailleurs, je pense, je sais pas, par exemple, euh, quelqu'un comme Anouna doit recevoir un million de fois ce que reçoit le maire de Montjoie. Et donc il a surfé là-dessus complètement indignement, en s'inventant un grand danger, en se faisant passer pour une victime, et à grand renfort d'articles de la dépêche, et nous on n'a pas été euh, invités, on va dire. Ils ont été jusqu'à appeler à la manifestation pour le soutenir, avec trois articles dans la dépêche dans la même semaine, euh, une lettre de l'association des maires à tous les maires du 47 et du 82, ça fait 500 mairies, et tous leurs conseils municipaux demandant de venir soutenir le maire. Euh, voilà. À la manif, après un tapage monumental, à la manif... Il y avait, police et journalistes compris, 150 personnes. Sachant que, donc, rien que sur les conseils municipaux et les maires, il y avait 5000 invités. donc <laughs> Et puis qu'on appelait les, les, les civils. Et en fait, c'était surtout le maire, ses conseillers municipaux et leurs familles. Et quelques maires, surtout anciens maires de villages du coin, complètement soumis à Bailey, qui sont venus voilà à ses côtés. Mais il y avait 25 élus. Et ce qui est très drôle, c'est que, pareil, j'invite vos, vos auditeurs à, à vérifier ça par eux-mêmes. Le Petit Bleu et La Dépêche du Midi, qui sont deux journaux de Jean-Michel Baillet, ont titré un 250 élus. Alors pourquoi 250 élus On ne sait pas. La Dépêche a titré 200 élus et France 3 a titré 150 personnes. <laughs> c'est rigolo la, la différence, parce que je ne dis pas que 25 élus, c'est rien. Ouais. Quand vous en invitez plus de 500... C'est pas un gros succès, mais euh, titré de 250 élus quand il y a 150 personnes, c'est pas du tout pareil. Parce que quand on titre 250 élus, on peut imaginer qu'il y a 5000 personnes. Vous voyez ce que je veux dire Donc voilà à quoi, à la machine médiatique à laquelle je me heurte. Sans compter, bon ben voilà, les, les, les procès qui n'en finissent jamais et puis les procès. Fin, les gens disent pourquoi tu fais pas un procès, mais on en fait plein et quand on en fait un et que tu gagnes, ça part en appel. Enfin, tu mets 5 ans. Non, on, est est, des... on meurt en fait en ouais. 5 ans. Enfin, des euh, procès, on en est où enfin, vous avez quoi ben Des procès, pour... on, a, on en a gagné beaucoup. Alors euh, récemment, sur certains procès, je ne peux pas communiquer avant le mois d'avril parce que, euh, bon, ben, par la faute euh, du maire, <laughs> ce n'est plus un secret qu'il qui se pourrait que je me sois entendu avec euh, mon voisin britannique. Euh, on pourra communiquer là-dessus une fois que les délais de prescription seront passés. Moi, quand je donne une parole, je la tiens. Mais je compte bien communiquer là-dessus, parce que j'ai rien à cacher, il n'y a rien de honteux pour moi dans, cette, dans cet accord. Mais ce qui est lunaire, c'est que le maire euh, sait qu'il y a eu un accord. Et refuse maintenant en fait tout simplement qu'on goudronne l'accès à chez moi et qu'on fasse deux trois travaux, qu'on le goudronne et puis qu'on vive en paix quoi en fait. Et donc il continue à me bloquer. C'est un accord. Euh, les... On est enfin je suis littéralement harcelé. Déjà le fait de rentrer chez vous par un chemin pourri et de changer vos pneus tous les trois quatre mois, c'est déjà je pense une forme de harcèlement. Le fait que les gros camions puissent pas accéder chez moi, ben, pour faire des travaux de construction, de d'élevage, etc. Vous imaginez la difficulté. Euh, que l'écarissage descendent pas chez moi non plus. Euh, c'est d'ailleurs pour ça que je lui ai récemment, j'ai eu des animaux abattus au fusil euh, de façon horrible, puisqu'on leur a tiré dans le ventre et qu'ils ont agonisé euh, fort longtemps. Pour revenir euh, dessus, justement, euh, c'est-à-dire qu'un jour, vous avez, un matin, vous êtes levé et vous avez retrouvé euh, vos cochons. Euh... Bah pendant, pendant, En fait, le, pour vous donner une idée, le parc dans lequel ils sont fait 13 hectares. Donc c'est très vaste, c'est que de la forêt. Donc et là, on... on parle de début janvier 2024. Hein, oui, ça. oui, tout à fait. Et donc le, le parc est, 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 est vaste. Et donc je voyais qu'il manquait des animaux, mais bon, des fois ça peut arriver. Et, et en fait, on a fini par faire un tour et on est tombé sur des animaux morts. On est même tombé sur un animal encore agonisant qu'on a dû achever nous-mêmes. Et encore deux jours après ça, on est tombé ou trois, je sais plus, on est tombé sur un animal qui était mort récemment empoisonné. Et donc en plus les carissages ne voulant pas venir, euh, ben, j'ai amené l'animal empoisonné sur le bureau du maire. Lui montrer ce que c'était, parce que ben, moi j'avais communiqué sur les réseaux sur ce qui venait de m'arriver, et, et le maire avait eu euh, l'ignominie, dirons-nous, de dire sur euh, son Instagram à des gens qui lui posaient des questions Mais alors vous faites rien pour les animaux, euh, les gens du village disent que c'est lui qui tue ces animaux. Euh, qui, en fait Personne, à ma connaissance, en tout cas personne n'a jamais dit ça. Donc, même si c'est euh, relativement humiliant de répondre à ce genre de questions, mais bon, ma foi, au moins c'est fait. Euh, J'ai aucun intérêt à ce qu'il arrive un truc à mes animaux. Euh, alors, déjà, bah parce que je les aime, je les élève deux ans. Euh, T'en prends soin, tu. Puis. Tu vois, si je devais tuer mes animaux, tu vois, déjà, je prendrais une assurance. Là, j'en avais pas. C'est 15 000 à 20 000 balles de, de perte sèche. Parce qu'un animal que tu retrouves mort, tu le transformes pas. Hein. Et un animal empoisonné, encore moins. Euh, et Puis, c'était des animaux qui étaient prêts, tu vois. C'était des, 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 euh, des gros adultes prêts à être abattus. Euh ensuite ben les animaux tu les aimes en fait donc euh, si j'avais dû tuer moi-même mes animaux je dis déjà j'aurais une assurance mais après je les aurais tués je sais pas d'une balle dans la tête quoi là ils ont été tirés dans le ventre ils ont agonisé des heures voire des jours enfin, quand tu vois ça tu vois je suis pas un grand sensible hein, euh, j'ai une vision très agricole des choses mais enfin euh, t'es pas bien tu vois enfin c'est c'est dur, tu vois. et C'est <laughs> même amateur la manière dont ça a été fait. Ah mais c'est pas des chasseurs. Hein. Ouais. Ceux qui ont fait ça, c'est... Enfin so franchement, hein, ceux qui ont fait ça, c'est pour moi, de toute façon, c'est clairement commandité, parce que j'ai n'ai pas d'ennemis. Euh, si c'était des, des gars qui galèrent, tu vois, à la limite, un mec qui est au fond du seau, qui me tue un animal pour bouffer, je te dis pas que si je l'attrape, je vais être gentil avec lui, mais il y a une finalité, tu vois. Mais là, euh, ils ont été tués pour être massacrés. Ceux qui ont fait ça, donc je te dis, pour moi, c'est pas des chasseurs, parce que les chasseurs, ils auraient jamais tiré des animaux comme ça. Et, et après, tu as, as ce côté, où, si c'est un chasseur, c'est un pervers, quoi, tu vois. C'est un mec qui, enfin... Je sais pas, tu vois, tuer gratuitement des animaux, si c'est pas pour les bouffer, j'arrive pas à comprendre pourquoi tu fais ça, mais tuer des animaux en les faisant agoniser, en les laissant agoniser, mais enfin... <laughs> si un jour, la personne qui a fait ça se fait attraper, j'espère qu'elle se fera attraper par la police, parce que... Là honnêtement je pense que je tu vois <laughs> ça c'est des trucs tu peux pas donc euh, donc voilà donc il a été jusqu'à m'accuser de ça et donc en plus l'écarissage ne voulant pas descendre et eh bien j'ai craqué donc j'ai pris un cochon et, et je lui ai amené je lui ai amené sur son bureau et après je suis retourné le, le, le confronter plusieurs fois donc on peut trouver les vidéos sur mon, sur mon Instagram euh, et puis bah, il a montré son vrai visage. On voit tout simplement qu'en étant police, c'est une ordure. Quoi. Je... Et une fois de plus, mes mots, je les assume. Franchement, Christian, viens me chercher. Je t'attends au tribunal. Depuis le mois de septembre 2023, Livre Noir s'est lancé dans un nouveau combat, celui des kiosques à journaux. Désormais, aux côtés de Libération ou Le Monde, trône un nouveau magazine trimestriel, le vôtre. Après un premier numéro à succès sur l'immigration, notre second numéro, Une terre de peuple, vous emmène au cœur de la guerre de civilisation sur notre territoire. N'attendez plus et procurez-vous ce magazine d'enquête en kiosque pour mener le combat à nos côtés. Pour plus d'informations, rendez-vous sur notre site internet www.livrenoir.fr. Bon entretien. Et alors j'ai aussi une question, c'est concrètement dans le village, euh, est-ce que t'as des soutiens, est-ce que tu as des, des... qu'est-ce qu'ils en pensent les gens, un peu t as des retours, euh, Alors, de ce conflit avec ce. J'ai en... des retours puisqu'il y a trois ans maintenant, quelque chose comme ça. Il y a eu une pétition signée donc à visage découvert, hein, nom prénom, signature, à laquelle j'ai pas participé pour pas qu'il y ait de mélange des genres en plus, tu vois, euh, par une trentaine de votants de la commune, donc sur 100 personnes, enfin sur 100 votants, ça fait beaucoup. Qui ont écrit au préfet pour demander à ce qu'il intervienne et que le maire réponde de son comportement scandaleux. C'est resté lettre morte. Il n'y a jamais eu un retour de la préf. Euh, et après, j'ai pas mal de soutien. Mais après, le problème, c'est que localement, j'ai beaucoup de soutien, même en dehors de mon village, de beaucoup de paysans, etc. Mais il faut que tu comprennes que, <laughs> que tout le monde est terrorisé par Jean-Michel Baylet chez nous. Enfin, euh, autour de lui, tu as eu des, des suicides dignes de l'affaire Clinton. Euh T'as un de ses bras droits qui a pris une balle dans la tête un jour en rentrant chez lui, quelques années après ils ont collé ça sur un toxico, enfin pareil hein, les gens qui écoutent ce qu'on dit ils n'ont pas à me croire, ils prennent Google et leurs amis, ils cherchent les articles sur cette affaire là, euh, quelques années après ils ont, ils ont serré un toxico en disant qu'en fait apparemment il était en train de se droguer devant chez le mec et que quand le gars lui a demandé de partir il, il aurait baissé le carreau, il lui aurait mis une balle dans la tête. Alors on est un des départements les moins peuplés de France, euh, un mec défoncé qui met une balle dans la tête à quelqu'un qui s'enfuit avec sa voiture, si tu veux, tu l'attrapes en deux heures. Hein, voilà, et d'autant que ce monsieur, en fait, l'histoire c'est qu'il est rentré chez lui avec son épouse, et il y avait une voiture garée un peu devant chez lui, il est rentré chez lui, il s'est garé, il est allé voir qu'est-ce que faisait la voiture là, et euh, quand il s'est approché de la voiture, le carreau s'est baissé, il a pris une balle dans la tête. Euh... C'est lunaire, tu vois, ça n'existe pas, des histoires comme ça, en fait. Et donc voilà, donc c'est... T'as ça, t'as tous les gens qui ont été harcelés, qui ont été détruits, parce que tu vois, des, des histoires en, en off, tout à l'heure, tu me, me disais, est-ce que tu penses qu'il y a d'autres histoires comme la tienne Ben, <laughs> moi, je pense qu'il y en a beaucoup. Euh, rares sont celles qui arrivent à être médiatisées, parce que ben, les gens, ben, en as, je pense, déjà un certain nombre qui meurent, hein, parce que tu sais qu'en France, on a l'impression qu'on est en sécurité, mais as énormément de gens qui disparaissent tous les ans. Hein. Euh, vraiment, c est, c est, c est des, on parle de milliers de personnes, par an qui disparaissent. Donc, euh, t'en as qui refont leur vie, mais t'en as qui sont sous, enterrés sous des chaînes. Euh, je pense qu'il y en a qui finissent mal, je pense qu'il y en a beaucoup qui se suicident, et je pense qu'il y en a beaucoup aussi euh, bah, qui abandonnent en fait. Parce que je te dis pas que j'ai jamais pensé à abandonner, mais au bout d'un moment, quand on en a trop fait, tu te dis bah, c'est bon, je crèverai là, maintenant les gars, on va jusqu'au bout. Et tu as l'exemple du Larzac, par exemple, où il euh, bah, y a des paysans qui ont vécu des trucs affreux, qui se sont fédérés à 100 ou 103 familles, je sais plus, dans les, au début des années 70, qui ont résisté pacifiquement, qui ont fait énormément de trucs, il y a quand même eu un mort, etc. Mais... Et qui ont fini par avoir gain de cause. Euh... Donc, ça, c'est un exemple vraiment de, de gros nombre de gens, mais ils étaient beaucoup à être dans le même bateau, en fait. Mais quand tu es isolé et que tu te bats contre des gens très puissants. Euh... Enfin, moi, techniquement, si la, 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 la tentative d'assassinat, <laughs> si elle était allée au bout, euh, jamais personne n'aurait entendu parler de moi, en fait, tout simplement. Mmh. Ce jour-là, si j'avais été seul chez moi, ça, pour moi, c'est. <laughs> c'est Chacun croit en ce qu'il veut, mais moi je, moi je suis catholique, ça pour moi c'est la grâce divine, il n'y a pas d'autre. <laughs> de toute façon tout ce qui m'est arrivé, et si tu veux même finir avec une cagnotte comme ça, je sais que un, ça tient du miracle hein, ce, que je, ce que je vis. <laughs> tu peux en parler justement de ton rapport à la foi, c'est-à-dire que en tant que paysan, euh, et j'imagine que... La dimension d'espérance, elle est tout de même très importante parce que euh, chez les catholiques, le suicide est interdit. Tout à C'est que... pas une option. C'est pour ça que je dis que si Hugo n'était pas intervenu, je serais mort ou en prison. Mmh, tout à fait. Donc j'imagine qu'en six ans, et surtout bah, ces cinq, cinq quatre, ou quatre premières années sans aide, ça a dû être enfin, la foi, s'il n'y avait pas eu la foi. Euh... Alors sans aide, j'ai quand même eu beaucoup de gens autour de moi, des voisins, des, de la famille, des amis, des associations, un syndicat qui m'ont. Vachement soutenu moralement qui m'ont temporisé pour pas craquer parce qu'en fait la, la ligne de défense de la mairie enfin de défense même pas parce qu'il y a jamais rien eu mais la ligne de la mairie depuis le début c'est que je suis grand et costaud donc je suis violent alors que arrivé à Montjoie j'avais jamais eu le moindre casier judiciaire et, euh, et donc d'essayer de me pousser à la faute si tu veux et d'ailleurs, il y a eu une... <laughs> une sombre histoire de séquestration où il n'y a absolument pas eu séquestration, et où du coup, je m'en suis sorti avec une amende avec sursis, ce qui est le minimum que je pouvais prendre. Parce qu'en fait, euh, le maire refusait de me signer un recommandé, donc, euh, et ce n'était pas la première fois. Et donc, je lui ai dit que j'allais rester à la mairie jusqu'à ce qu'il signe. Il m'a dit oh, « non, moi j'ai rendez-vous, je vous laisse avec ma secrétaire ». Et donc en fait, je me suis assis devant la porte, euh, pacifiquement. Je laissais passer tous les gens qui voulaient entrer ou sortir en étant très poli. Mais lui, quand il voulait sortir, je disais que j'avais mal à la jambe, que je ne pouvais pas me lever. Donc il a appelé les gendarmes. Quand les gendarmes sont arrivés, je suis parti gentiment. Le lendemain, c'était en une de la dépêche. Et en fait, ce qui m'a pas mal sauvé au tribunal, c'est que c'est le maire qui m'a demandé de venir pour me signer mon recommandé, qui a refusé quand je suis arrivé. Et quand je suis rentré dans le bureau, il était déjà en train d'enregistrer. Et tellement il est intelligent, il a donné l'enregistrement à la police. <laughs> Sauf que dans l'enregistrement, on voit bien que je l'ai jamais insulté, que je l'ai jamais menacé, que je l'ai mais tu te retrouves en correctionnel devant trois juges, en passant après un pédophile et après un violeur, <laughs> pour t'être assis pacifiquement devant une porte. C'est un concept. Et tu as toute, euh, toute la presse de Bailey qui fait des articles en disant euh, euh, que je l'ai séquestré. Euh... Non, mais c'est incroyable. Alors que factuellement, en plus, il, il avait lui-même enregistré tout. Il n'y a jamais eu menace, rien. Le débat au tribunal, c'était est-ce que s'asseoir pacifiquement devant une porte constitue une, euh, une intimidation sur Bailey, justement, je trouve que tu as quelque chose à, aussi à nous dire, parce que tout à l'heure, on parlait de Montjoie, de son histoire. Euh, c'est vrai que c'est une terre où il y a eu déjà des problèmes avec les Anglais, il y a eu d'autres choses. Est-ce que tu pourrais nous parler justement un peu de l'histoire bah, de Montjoie Ce etc. village, justement, et les petits villages autour ont toute une histoire. C'est des villages fortifiés qui ont tous une histoire de, qui ont été créés plus ou moins à la période de la guerre de Cent Ans et qui ont tous euh, été des places fortes pendant cette période. Le village de Montjoie, il a été créé par Alphonse de Poitiers, donc le frère de Saint-Louis. Et c'est ce qui est très étonnant d'ailleurs, c'est qu'à Montjoie, donc bah, à part Alphonse de Poitiers et un soldat de Napoléon qui a beaucoup brillé, il euh, y a rien. Et on a créé une salle des fêtes. à se passe Jean-Michel Baylet. Est-ce que Jean-Michel Baylet a été plus utile que Alphonse de Poitiers dans l'histoire de France Je suis pas sûr. Parce que Jean-Michel Baylet, j'ai parlé de ses postes politiques, mais Jean-Michel Baylet, euh, moi je l'appelle affectueusement le pédophile prescrit parce qu'il y a des clichés un peu coquins qui existent de Jean-Michel Baylet. Mais il s'en est sorti parce qu'il y avait prescription. Parce qu'en France, tu peux toucher des gosses et avoir prescription. C'est intéressant. Euh, il a eu des affaires pour avoir tabassé, alors je crois que c'était sa secrétaire, euh, l'avoir forcé à signer une lettre de démission et l'avoir jeté à moitié à poil dans la rue. Euh, il n'a pas été condamné parce qu'en fait, il a fait un accord par avocat avec elle et qui lui a fait un gros chèque. C'est BuzzFeed qui a sorti, on peut le trouver encore sur Internet, qui a sorti cette enquête avec des images de l'accord. Donc BuzzFeed a été utile une fois dans l'histoire, il faut quand même le, le, le signaler. Euh qu Qu'est-ce qu que je peux te dire d'autre sur Jean-Michel Ballet Oui, bah, il a été condamné pour recel de biens sociaux, enfin... Euh non, tu vois, c'est un mec intéressant, c'est vraiment un mec droit. Et sa famille a une histoire de collaboration absolument goldée. C'est-à-dire que le journal La Dépêche, les deux meilleures années de vente, c'est 42 et 43. En 44, ils sont interdits par le Conseil national de la résistance, jusqu'en 47. Et après, euh, le meilleur ami de son père, qui après se mettra plus ou moins avec sa mère, euh, va co-présider La Dépêche pendant plus de 10 ans. Et cette personne, c'est qui C'est René Bousquet, le chef de la police de Vichy, responsable de la RAF du Valdiv, de la RAF de Marseille, euh, dans la cellule de Laval jusqu'à son exécution. Enfin, vraiment une ordure de premier plan. Qui euh, était un grand ami de Mitterrand, ce qui fait que la mère de Baillet a financé les campagnes de Mitterrand dès 1974. En 1974, c'était 500 000 francs à l'époque, ça fait quand même énormément d'oseille. Et, euh, et donc voilà, c'est donc comme ça que quand Mitterrand est élu en 1981, eh ben, qui se retrouve secrétaire d'État deux fois, puis ministre Jean-Michel Baillet. Oh, le hasard Je, je pense, hein, je pense que c'est le hasard, à mon avis, c'est ça. Et donc ce Bousquet et Mitterrand étaient pote de Francis, qui est ami. Euh, D'ailleurs, j'invite, euh, s'il y a des curieux parmi les, les auditeurs, vous pouvez trouver encore sur euh, YouTube une interview de Mitterrand par El Kabach. Et Mitterrand, qui était quand même un sacré orateur, bah, c'est la seule interview où vous le verrez bégayer quand on lui parle de Bousquet. Parce qu'on lui sort une photo de lui dans sa résidence privée avec Bousquet à sa table. Et là, c'est dur de dire qu'il ne le connaît pas. <laughs> donc, euh, donc voilà. Voilà contre qui je me bats vraiment déjà intéressant. Et donc, je te disais qu'on a la, la salle des fêtes, espace Jean-Michel Baillet. Mais à Valence d'Agen, alors c'est pareil, les gens peuvent vérifier en une minute. L'avenue principale, c'est l'avenue Jean-Baillet. Père de Jean-Michel Baillet. Le collège-lycée, c'est le collège Jean Baillet, père de Baillet. La halle, c'est la halle Jean Baillet, père de Baillet. Le stade de rugby, c'est Evelyne Baillet, la mère de Baillet. Et la place du marché, c'est la place Chomeil, l'oncle de Baillet. C'est intéressant, comme euh, ces gens, tu veux, à part collaborer, taper dans les caisses ou toucher des gosses, qu'est-ce qu'ils ont fait dans leur carrière enfin, On ne sait pas, en fait. On cherche. Euh, pourquoi tout est à leur nom, en fait enfin, mais ça n'a aucun putain de sens. Enfin, c'est pas, pas Jeanne d'Arc, c'est pas qui tu veux, c'est pas Jean Moulin, c'est pas. Non. Enfin, Qu'il qu y en ait un qui a un truc à son nom, bon, c'est lunaire, mais s'ils veulent, mais tout. Qui c'est ces gens, en fait Ils ont de l'oseille et la presse, donc ils peuvent tout faire, en fait. De bah, toute façon, c'est ce qu'on voit dans mon dossier. C'est qu'ils peuvent se permettre de tout faire. Le maire, je, je le tourne en ridicule, en boucle, en montrant euh, qui il est. Et Personne ne bouge au niveau du gouvernement. Alors que il leur suffirait de goudronner un putain de chemin, comme la loi le prévoit, et il n'y aurait pas d'histoire, en fait. Vrai que, mais on... le truc, c'est que j'ose résister à Jean-Michel Baillet dans une zone où ceux qui ont osé, soit sont plus là, soit ont tout perdu, soit ont déménagé. Euh, voilà. Donc, euh, c'est pour ça que j'ai beaucoup de soutien, mais beaucoup de gens qui viennent me dire euh, « Mais t'es fou enfin, !» Moi, j'ai eu des, des, des longues discussions avec des amis ou avec des membres de ma famille me disant « Mais barre-toi, tu vas mourir, mais t'es fou, c'est trop dangereux euh, !» Voilà. Voilà, voilà, voilà ce que je vis <laughs> Et grâce à la médiatisation et grâce à la chance que vous me donnez, ben, ça me rend encore plus intouchable, on va dire. Moi, en justice, tout ce que je vous ai dit, je l'assume, c'est sourcé. J'ai la chance d'avoir un excellent avocat et ami, parce que pendant des années, il m'a défendu uniquement pour l'aide juridictionnelle en abattant un travail monumental. Il mangeait des avocats surpayés alors que lui euh, était à l'aide juridictionnelle pour m'aider. Euh, Maître Raphaël Matar, que je salue et qui a ma gratitude, lui aussi, éternelle. Et c'est grâce à des gens courageux comme ça, comme Hugo, qui n'a jamais gagné un centime dans cette histoire, euh, ça a fait, il a fait que prendre des coups, là il est au tribunal, il a perdu sa chaîne YouTube. Euh, sachant qu'il est au tribunal, enfin, on a été poursuivi par l'Office de lutte contre les crimes contre l'humanité et crimes de haine. Pour une scène satirique avec une mascotte de Fouine, alors qu'en plus on voit le maire et la mascotte de Fouine dans une scène, et qu'on différencie clairement les deux personnages. Et vu que cette scène de Fouine, il y a, enfin, Fouine, il y a une scène de sexe où... Voilà, avec un, des, un des, des acteurs, on va dire, de la vidéo, euh, c'est un appel au meurtre et au viol du maire de Montjoie. Mais ils sont complètement tarés. C'est, il est poursuivi pour euh, appel, euh, incitation à commettre un crime, non suivi des faits. Mais enfin, euh, ouais. c'est lunaire comme histoire. Mais je pense sincèrement, pour le coup, autant les, 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 les comment dire, autant je me rends compte que les, les, les hauts fonctionnaires sont tenus par bailler autant au niveau des juges, j'ai pas été trop déçu. Donc j'ai quand même espoir pour Hugo que voilà. Étonnamment, je ne vais pas critiquer la, la justice française. On peut voir des choses surprenantes parfois, mais dans mon dossier globalement, je ne peux pas dire que les juges aient été incohérents. Donc, euh, donc, je ne vais pas leur tirer dessus. C'est comme souvent, on me dit les gendarmes, les gendarmes. Ben non, moi, dans mon cas, les gendarmes, ils ont été parfois même héroïques. Tu vois, des mecs, <laughs> des mecs, il y a des conseillers municipaux du village qui leur disent, ouais, je vais euh, donner moi votre matricule devant moi. Donnez moi votre matricule. Euh, je vais contacter Jean-Michel Baillet. et le gendarme qui lui dit, j'en ai rien à branler, je fais mon travail. En ces mots, tu dis, ok, lui, euh, lui, il est, lui, il est sérieux. Et j'en ai vécu, j'ai vécu ce genre de situation plein de fois. Enfin, ils ont été. Héroïque. Au-dessus d'eux, ça ne vaut rien, ça c'est une surprise pour personne, mais les gendarmes de terrain, ils ont tout mon respect, ils n'auront toujours que mes remerciements. Ma question maintenant, c'est quand on a fait tout ce constat, on a vu toute cette histoire, c'est concrètement là, où est-ce que vous en êtes et qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter Alors, où est-ce qu'on en est ben, Les travaux seront finis dans plus ou moins un mois, ce qui va me permettre de lancer derrière ma commercialisation, enfin. Euh, une pétition, peut-être que peut Il y a une, si une pétition, parler. tout à fait, bah ça c'est dans ce qu'il y a à me souhaiter. <laughs> euh, on a lancé une pétition parce que maintenant, tout ce qu'on demande, c'est un accès décent à notre maison avec mon épouse et à la propriété. Euh, donc la pétition, le but, c'est de nous aider, en fait, juste en signant, ça prend 30 secondes, à, à obtenir ça. En fait, c'est pour l'envoyer après aux sénateurs, aux députés, aux ministres, à tout le monde. Euh, pour demander que les pouvoirs publics euh, disent bonjour, il y a une loi en France, est-ce qu'on peut l'appliquer même chez Jean-Michel Baillet si ça ne le dérange pas trop Et, euh, et que l'histoire se finisse et que je puisse tout simplement euh, vivre de mon travail. Et... Moi au départ, j'ai jamais souhaité être euh, connu en fait. Je... Mon histoire se fait connaître parce que je n'ai pas d'autre choix. C'est vraiment, ça m'est imposé en fait. Donc euh... On mettra les liens, la description, les liens de la pétition en description, ça, ça s'affichera normalement à l'écran. Donc ceux qui veulent vous soutenir, ils pourront aller cliquer et signer cette pétition, chercher, il me semble, 15 000 signataires. Non, non, on est à 16 000, vous et, êtes à 16 000. Et, et on cherche à en avoir encore beaucoup plus, beaucoup plus pour que vraiment euh, ben on puisse pas faire comme si on n'existait pas. D'accord. Et, et pour ceux qui veulent voir ben, mes rencontres avec le maire ou retrouver les vidéos du go, alors les vidéos avec Papacito, elles sont encore sur YouTube. Elles ont été re -upload. On les trouve sinon sur euh, Odyssée. Et, euh, et après, les vidéos avec le maire, bah, tout est sur mon Instagram, la ferme des cochons les nœuds. C'est très original, c'est le nom de mon exploitation, <laughs> donc c'est le nom de mon Instagram. Euh, quand on voit, euh, bah, on est obligé de parler un peu d'actualité. C'est-à-dire qu'effectivement, euh, on se demandait si euh, votre situation, elle était euh, reproduite peut-être ailleurs. Mais effectivement, aujourd'hui, le, le monde paysan, bah, il s'est révolté. Ça fait longtemps que ça gronde. Euh, il s'est révolté, notamment fort, là, depuis une semaine et demie, deux semaines. On voit des blocages euh, sur des autoroutes, euh, parfois même euh, devant la mairie d'Agen, on pensait, c'est assez symbolique. Euh... Devant la centrale nucléaire de Golfech, où je salue beaucoup de copains. <laughs> voilà, à côté de chez vous, à Montjoie. Euh... Qu Qu'est-ce qu que vous en pensez de toutes ces manifestations euh, Quelles en sont pour vous les causes profondes Est-ce que c'est quelque chose que vous comprenez euh, Parlez-nous un peu de, de ce que vous voyez, commentez cette actualité. Euh, les causes profondes, bah, c'est le fait que l'Europe cherche à détruire euh, le, le monde agricole, en fait, tout simplement. Hein. On va appeler un chat un chat. Euh, bah, c'est le fait qu'il y ait des traités de libre-échange qui, qui font qu'on importe euh, massivement des produits chez nous qui sont produits à très bas coût, parce que très faible coût de main-d'œuvre, peu de charges sociales, aucune norme environnementale. Et, et nous, nous ce n'est pas le problème d'appliquer les normes, mais il faut qu'on puisse en vivre, en fait. Et euh, donc, ce qu'on demande, c'est bah, que les, les, les paysans ne vendent plus à perte, en fait, qu'on qu leur achète les choses à des prix décents, que la grande distribution se gave nettement moins, euh, ce qu'on demande c'est que ces traités soient soit annulés, soit si on peut pas les annuler. Qu'en France, on crée une, une exception agricole, quoi, euh, tout simplement, comme il y a pour, pour le, le monde de la culture. Parce que ce que les gens doivent comprendre dans cette, euh, cette révolte, ils pensent ceux qui veulent des paysans. Mais en fait, c'est l'intérêt de chaque Français qu'on maintienne notre souveraineté alimentaire. Si on n'a plus de souveraineté alimentaire, mais n'importe quel pays fait ce qu'il veut de nous, en fait. Et je pense qu'on va vers des temps compliqués aussi bien au niveau économique que même peut-être civil. Euh, imaginons une crise économique dans laquelle on n'a plus de souveraineté alimentaire, mais c est, c est, c est... les gens vont mourir. Enfin, il, il faut réaliser ce qu'on vit là. C'est vraiment un tournant majeur. Et les paysans, ils demandent pas euh, que l'État dem... leur donne des sous tous les mois pour vivre. Ils demandent à pouvoir vivre dignement de leur travail. Ils demandent à ce qu'on leur achète euh, ce qu'ils produisent ben, au... <laughs> au prix que... <laughs> un peu plus cher que le prix que ça leur coûte. Euh, ils demandent à être protégés... Euh, voilà, qu'on importe des produits de l'étranger, d'accord, mais soit on les taxe, soit on impose on, En fait, qu'on n'importe pas ce qu'on n'a pas le droit de produire. C'est quand même un truc de fou qu'on nous interdise de produire des trucs et qu'on l'importe. On nous dit il faut pas de poulet aux hormones, très bien, c'est scandaleux le poulet aux hormones, mais pourquoi on en importe des millions de tonnes depuis l'Ukraine Et depuis l'Amérique du Sud et autres. Pareil pour le bœuf, pareil... Enfin, si les gens voyaient... Comment sont élevés les, les, les animaux qui mangent dans, dans ce qui vient de ces pays-là, mais ils ne toucheraient pas à la nourriture. C'est lunaire. Et puis après, on nous parle d'écologie. Enfin, on fait faire 20 000 km à de la viande. Mais, mais, mais c'est complètement fou. Enfin, voilà, le, 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 le problème est là. Donc, euh, donc les, pour, les paysans, euh, pour les paysans, si tu veux, euh, ce qu'a en fait, c'est du foutage de gueule. C'est-à-dire qu'en fait, ce qu'il a fait à tal quand il est venu à Toulouse, c'est quoi C'est proposer des miettes à certaines branches de, de, du monde agricole pour essayer de diviser le mouvement, de casser le mouvement, en fait. Comme de toute façon, c'était le but de, de. Alors, je dis pas, je ne critique pas les, les, les paysans de la FNSEA à échelle locale, parce qu'il y a des gens très bien partout, voilà. Mais au niveau national, la FNSEA, enfin, c'est des gens hors sol qui représentent absolument pas le monde agricole, qui ne sont pas paysans. Euh, qui sont euh, actionnaires, leur président actuel est actionnaire euh, euh, d'une <laughs> société qui fait des, des, des prêts, d'un de, gros groupe de méthanisation et d'une grosse firme agroalimentaire qui a euh, ISIO 4 et compagnie. Euh, il est complètement hors sol, ce type. C'est comme si, euh, ce que j'ai pu déjà dire dans un autre média, c'est comme si le, le président du modem représentait les ouvriers, en fait. C'est si le président du modem, excuse-moi. Je... C'est comme si le président du MEDEF euh, était à la tête de la France Insoumise. Tu vois, tu, 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 ça n'a aucun sens. Pour représenter les ouvriers, il faut des gens qui connaissent au moins ce milieu-là, qui en sont issus. Euh, sinon, autant mettre des députés, tout simplement. Tout à fait. Je sais que je voulais veux... te euh, demander. Il y a quelque chose aussi, c'est-à-dire que ce qui est intéressant, c'est-à-dire que une fois les affaires passées. Euh, en fait, j'aimerais aussi que tu me parles de ton métier et de la passion que tu as pour ce métier. Il me semble que euh, tu n'es pas né, enfin, euh, tu as fait d'autres choses avant ce métier. Euh, pourquoi être allé vers ce métier et qu'est-ce que c'est ce métier en France aujourd'hui Est-ce que j'aimerais que tu me parles un peu de. Mais ce métier, c'est une vocation, c'est-à-dire que paysan, tu fais pas ça pour l'argent. Paysan, tu fais ça pour. Euh, c'est un choix de vie, en fait, tu vois. C'est de vivre dans la nature, avec le vivant. De... Tu vas bosser tous les jours, certes, mais tu es dans la nature, tu vois. Enfin, c'est. Moi, quand je me lève le matin, j'ai l'impression un peu d'être en vacances, même si c'est pour aller faire des trucs durs, tu vois. Mais euh... voilà, puis t'es libre, enfin, c'est un bonheur, c'est un métier qui est magnifique. Passer les, les problèmes, évidemment, tout ce que t'as vécu, moi j'aimerais que tu me, tu me parles un peu de, de ta passion, bah, ton métier, parce qu'à la base, c'était quand même éleveur, et c'est vrai que... Son... Parfois on peut-être peut l'oublier, c'est que c'est été venu, c'est une vocation, il me semble pour toi d'avoir entendu dire ça. Et aussi, ce qui est intéressant, c'est que je crois qu'avant tu n'étais pas éleveur. C'est est, est-ce que tu pourrais me parler de ce changement et pourquoi bah, c'est une vocation, c'est c'est un choix de vie en fait paysan, c'est plus une vocation et un choix de vie qu'un métier. En fait, c'est le fait d'être au contact du vivant, de, 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 de voir les animaux grandir, de que ce soit des animaux ou des plantes, de. Voilà, D'être en rapport avec la nature, d'être dehors, d'être de, libre, en fait. C'est un métier qui est absolument merveilleux. Si les gens peuvent en vivre, euh, c'est merveilleux. Mais qu'est-ce qui m'y a amené bah, C'est moi, mes parents n'étaient pas paysans, effectivement, mes grands-parents l'étaient. Et moi, c'était un rêve, en fait. Et puis, euh, bah, comme je dis, des fois, ça fait rire les gens, mais moi, ma passion, c'était la géopolitique. Et, et, en fait, c'est ça qui a fait que j'ai voulu devenir paysan aussi. C'est que je pense qu'on va vers des temps très compliqués et que pouvoir avoir une certaine euh, autonomie euh, si on vit des temps euh, complexes, c'est, ce sera plutôt pas mal. Donc, euh, donc voilà. Et puis aussi pour s'éloigner de, tu vois, quand je viens à Paris ici, enfin, euh, moi, dans Paris, je suis pas bien. Je, c'est pas, 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 pas chez moi à Paris, hein. Je, je ne peux pas. Alors, euh, je reproche pas aux Parisiens d'aimer leur vie à Paris, mais moi, je ne peux pas. Et non, ce c'est pas les valeurs dans lesquelles j'ai envie de fonder une famille. C'est pas. Moi, j'ai pas envie d'élever des enfants à Paris. Je ne pourrais pas. Euh, hier, en préparant notre entretien, quand j'ai su que justement j'allais vous parler, euh, par hasard, mais je trouve qu'en fait, je lisais euh, un livre de chrétien de Troyes. et je suis tombé sur une, une phrase. Et qui m'a fait du coup évidemment penser à vous. Je vous la lis. J'aimerais savoir justement enfin, ce que vous évoque. Euh, un à l'intérieur, marqué. Le paysan soucieux de la vérité a un proverbe bien établi. Il est trop tard pour fermer l'écurie quand le cheval a été volé. Et c'est une dimension en fait. C'est vous. Est-ce que vous êtes prêt justement à aller jusqu'au bout en fait dans, dans vos démarches bah, sans faire preuve de trop de prétention, je pense que je l'ai prouvé. <laughs> ah oui, j'irai au bout. Oui. Ça, je peux garantir que j'irai au bout. Et pas au bout euh, comme a pu le faire euh, récemment un, un de nos confrères qui a dit qu'il irait au bout et, et qu'il n'y a pas été. Même si à sa décharge, j'imagine bien, pour être un peu passé par là, sans la pression médiatique à l'époque, euh, que quand il a dit qu'il était prêt à mourir, toute sa famille a dû l'appeler pour lui dire de renoncer, etc. Et la pression médiatique en même temps, j'imagine que ça a été très dur. Mais. Dire qu'il euh, qu fallait s'arrêter parce que ça allait dans le bon sens, les propositions de Gabriel Attal. Je crois qu'il n'a pas réalisé ce qu'il a fait, le pauvre, et je pense qu'il qu va en prendre plein les dents pendant longtemps euh, pour cette affaire. Et je lui souhaite pas de mal. Mais euh, moi, quand je te dis que j'irai au bout, j'irai au bout. De toute façon, euh, voilà, je pense que je suis à peu près passé par toutes les étapes déjà. Donc, euh, on verra bien. Au centre de tout ça, et je pense qu'on va finir par ça, c'est justement pareil, quand je lisais Chrétien de 3 il y a cette dimension d'honneur permanence qui revient dans cette euh, société de, 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 bah, de la chevalerie, les premiers romans de chevalerie, euh, la légende arthurienne, c'est tout ça et Aujourd'hui, est-ce qu'il n'y a pas cette question qui vient aussi en fond, en lame de fond, euh, sur, tout, sur toute cette histoire, c'est-à-dire entre bah, le lord anglais, euh, le, le maire, euh, le, le baron d'Occitanie et vous euh, qu Ce qui ne vous sépare pas, c'est cette notion d'honneur finalement euh, un ah peu bah intemporelle. Qu'est-ce ah bah que vous en pensez de notre société aujourd'hui euh... ah bah euh... <laughs> Moi, dans mon cas, après... Fin... Ça n'aurait aucun sens que je m'auto-jette des fleurs. Euh, voilà, c est, c est, ces choses-là, on les démontre, on ne les dit pas. Tu vois Mais bien entendu que c'est l'honneur euh, et que c'est une question d'honneur et que c'est pour ça que j'irai jusqu'au bout. Si ce n'était pas une histoire d'honneur, je serais parti. J'aurais revendu mes terres et je serais parti. Mais non, c'est justement, c'est une question d'honneur. Je suis dans mon bon droit. Euh, la loi et le bon sens sont de mon côté. Euh, point, fin du débat. Il, je céderai pas. Ce n'était pas. Euh, avant, avant les récentes discussions, il était inenvisageable que ce soit un Anglais qui me dise comment je vis et ce que je fais dans mon pays. Et, et il est inenvisageable aussi que je me soumette à des politiciens véreux et que des gens qui, eux, de l'honneur n'en ont pas, me disent comment moi je dois vivre. C'est hors de question. Je me veux bien me soumettre à la loi comme chacun d'entre nous pour qu'on puisse vivre en société, bien entendu mais face à des injustices qui me sont faites par des gens pour lesquels j'ai aucun respect, il est hors de question que je me couche devant eux, même s'ils sont beaucoup plus forts que moi, c'est pas le problème. Voilà. Et par rapport à la société, bah oui, je, pense que... je pense que les valeurs d'honneur euh, se perdent terriblement de par le fait qu'on soit une société de plus en plus dans la, la consommation, l'individualisme, le... les écrans, tout ce qu'on veut dans ce sens-là, et... C'est très très regrettable et c'est ce qui fait beaucoup de mal à notre pays, je pense. Parce que quand on parle de France éternelle, à l'heure actuelle, euh, voilà, les gens n'osent pas assumer leurs idées, n'osent pas... Tout le monde vit dans la peur, on euh, ne sait pas pourquoi, en fait, il faut y aller dans la vie. Enfin, voilà, mais bref. Et puis il y a beaucoup de gens qui se revendiquent aussi euh, de valeurs chevaleresques et qui n'en ont aucune. <laughs> mais pour ça, comme je dis, c'est les actes qui parlent, il faut juger les actes, les mots, ça va, ça vient. Merci Pierre-Guillaume Mercadal, merci pour, pour cet entretien. Vous incarnez un esprit combatif, certaines pugnacité qu'on apprécie chez Livre Noir, vous parlez de France éternelle, vous l'incarnez un peu, je, je trouve, dans votre combat, dans, dans toute cette histoire qu'il y a avec, euh, avec cette mairie de, de Montjoie. Euh, nous sommes voilà admiratifs de, de ce combat. Euh, je rappelle euh, tout ce que voilà il y, y a cette pétition. Euh, si jamais vous voulez aider euh, euh, Pierre Guillaume dans son combat, le, le soutenir, c'est important aussi voilà c'est solidarité de montrer qu'il y a cette pétition donc on peut signer euh, sur euh, sur les réseaux sociaux, sur Instagram vous retrouverez tout. Vous pouvez également aller le soutenir bah, juste en vous abonnant euh, sur les réseaux sociaux, suivre les actualités, voir où on en est. Euh, je pense que Pierre Guillaume l'a montré, il a une certaine transparence. Il lui montre justement, il essaie de, de faire en sorte que bah, ce qui a été donné dans la cagnotte ne soit pas utilisé, justement, ce soit fait par, avec un bon usage. Donc euh, voilà, si vous voulez soutenir Pierre Guillaume, tout sera dans la description, certains liens s'afficheront, vous aurez juste à, à cliquer dessus si, si vous le souhaitez. Euh, je vous souhaite à tous une très bonne soirée et merci Pierre Guillaume d'être venu sur notre fauteuil. Merci à vous pour la chance que vous m'avez donnée et merci à tous ceux qui m'ont soutenu et qui m'ont permis d'arriver jusque chez vous.